Jodi a nou pral pale de yon ansanm de prekosyon ke tout chofè ta dwe pran avan yo deplase kite la kay yo avèk yon machin. Li trez important pou chofè yo verifiye eleman sa yo paske an ka de defektyozite sa yo ap genye yon seri de konsekans negatif e pou chofè yo e pou tout moun kap itilize vwa publik la. An nou pran karoutchou machin yo. Li plis ki important pou chofer ou verifye etat karoutchou yo. Eske yo bien gonfle? Eske yo genyen bandaj pneumatik lan? Eske yo pa chov? Si karoutchou sa yo ta genyen ansanm de karakteristik ke nou sot site la yo, ebyen sa pral la koz an pil dega sou vwa publik. Premièman, eklatman karoutchou yo se yon nan koz aksidan sou vwa publik lan. Kote an pil moun kon rive viktim de situasyon sa yo. Dezyèmman, nou genyen distans de frenaj machin nan ki vini otomatikman augmente. Sa vin koz si chofer sa tombe son obstak, ebyen machin nan ap pran plis tan pou l frene ki etan normal. E si obstak sa persiste, la tre difisil pou chofer sa li menm li epanye danje sa ki prezante devan lan. Pi gro koze yon se le machin nan an pan sou rout yo. Si se nan mitan vil lan, machin sa vin koze gro blokus. E defwa li mette chofer a nan situasyon difisil. E lot moun kap itilize vwa publik yo, li vin retade yo sou yon ansanm de bagay yo ta gen fe pandan jounen. Metenan, genyen de machin ki kon an pan, e nan zon sa yo kote machin sa an pan nan, pa genyen ekleraj, pa genyen piyes mwayen pou chofer sa li menm li rive ranje kaoutchou machin sa. Souvan nou konjwenn de chofer kap roule machin yo. An dan machin nan yo pa genyen ni klerou, yo pa genyen ni jack, yo pa genyen ni kaoutchou de rechanj, et tout yo pa genyen sa rele triangle de presignalizasyon an, ki se yon eleman ke chofer a dwe mete a 30 mètres avan machin nan pou si yon kondukteur ap vini pou l ka gen tan wè gen obstak sou vwa publik lan, si li amene an metan vil, e si li nan route nasyonal li supose mete pano sa yo preske a chak 50 mètres. Nan ka kote machin sa an pan nan zon izole sa yo, souvan nou konjwen genyen an pil machin ki konen rive fe aksidan e plezye aksidan kon fèt an seri a koz on gren machin ki an pan sou vwa publik lan e chofer sa pat pran dispozisyon li ta dwe pran. E nap tou profite fè populasyon konen ke direksyon sirkulasyon deja anregistre an pil ka d'aksidan e pami ka d'aksidan sa yo, koz sa nou pale yo, se yo menm ki toujou bay aksidan ki boku pi grav yo, e chak fwa aksidan sa rive, souvan pa jam genyen moun ki sove nan machin yo. Ka ki pi grav yo, se souvan lese yon kamyon ki an pan sou vwa publik lan, e kote li an pan nan li fe noa, kamyon sa pa genyen reflekte la dan. E chofer a souvan kote machin nan pan nan, li tou kite l exactement sou chose ya, yo pa jam pran de fwa disposition pou yo metel soit sou akotman ou bien pou yo fè machin nan desan pi ba donc yo kite sou chose ya. Se yon nan koz ki kon bay an pil tèt chaje. Fòk tout machin gen la dan yo de triangle de presignalisation e chofer yo tou fòk yo genyen de jile fluoresan ki ka pèmèt moun wè yo nan ka yo ta bezwen ranje yon kaoutchou ou du mwens fè yon lot manèv sou bwa publik lan pandan machin nan kanpe. La loi sou disposisyon ke machin yo
doit gagner pour rouler sur voie publique là. Dans l'article 148, il est clair que camion yo doit gagner ça relé feu de gabarit ou bien feu de pavillon. Feu de gabarit, c'est ça qui permet et l'autre conducteur ouais large machine là, et feu de pavillon yo, c'est ça qui permet ma et yo ouais hauteur machine yo. À défaut de deux feux ça yo, donc direction circulation exigée pour tout camion yo mettez réflecteur devant et derrière machine yo, ça pourra le permettre l'autre chauffeur qui a circulé sur voie publique là, yo gagne contrôle largeur machine yo et hauteur machine yo. Ça tout c'est des éléments qui capable éviter accident sur voie publique. Donc et direction circulation prend des dispositions avec police routière là pour commencer sanctionner tout chauffeur qui pas respecter gens de et qui pas respecter ça yo ta doit respecter selon la loi. Et avant nous finir, n'a pas rappelé tout le monde que voie publique là c'est pour tout le monde. Faut que personne pas représenter un danger, personne sur lui. En d'autres termes, nous voulons parler de précaution pas capot. Monde qui t'a présenté l'émission ça, c'est Ludes Polius. Semaine prochaine, n'a gagné pour nous présenter on l'autre émission. Merci. Jodi a nous pral parler de ensemble des précautions que tout chauffeur a dû prendre avant de déplacer quitter la caillou avec une machine. Il est très important pour chauffeur de vérifier éléments ça yo parce que en cas de défectuosité, ça yo a gagné une série de conséquences négatives et pour chauffeur yo et pour tout le monde qui a utilisé voie publique là. On nous prend caoutchouc machine yo. Le plus qui est important pour chauffeur vérifier état caoutchouc yo, est-ce que yo bien gonflé? Est-ce que yo gagné bandage pneumatique là? Est-ce que yo pas chauve? Si caoutchouc ça yo ta gagné ensemble de caractéristiques que nous sommes cité là yo, eh bien ça prend la cause en pile dégâts sur voie publique. Premièrement, éclatement caoutchouc c'est une cause accident sur voie publique là. Côté en pile monde qu'on rivé victime de situation ça yo. Deuxièmement, nous gagnons distance de freinage machine là qui vient automatiquement augmenter. Ça vient cause si chauffeur ça tomber son obstacle, eh bien machine là a prend plus temps pour le freiner qui est normal. Et si obstacle ça persister, la très difficile pour chauffeur ça lui-même li épargner danger ça qui présenté devant là. Puis gros cause c'est les machines en panne sur route yo. Si c'est dans mitan ville là, machine ça vinn causer gros blocus et des fois li mette chauffeur dans situation difficile et l'autre monde qui a utilisé voie publique li vinn retarder yo sou yon ensemble de bagay yo ta gen fait pendant journée. Maintenant, gagne des machines qui konn en panne et dans zone ça au côté machine ça en panne nan, pas gagne éclairage, pas gagne pièce moyen pour chauffeur ça lui-même li rive ranger caoutchouc machine ça. Souvent nous connaissons des chauffeurs qui roulent machine yo en dans machine nan yo pas gagne ni clé ou yo pas gagne ni jack yo pas gagne ni caoutchouc de rechange et tout yo pas gagne ça relé triangle de pré-signalisation qui c'est un élément que chauffeur a dû mettre à 30 mètres avant machine nan pour si un conducteur a venu pour ka gen tan wè gen obstacle sur voie publique là s'il li amené en métropole et si li nan route nationale li supposé mettre panneau ça presque à chaque 50 mètres. Nan ka côté machine ça en panne nan zone isolée ça yo souvent nous conjoint gagner en pile machine en pile machine
qui connaît rivé fait accident et plusieurs accidents qu'on fait en série à cause d'une grande machine qui est en panne sur voie publique là et chauffeur ça a pas de prend disposition l'état doit prendre. Et n'a tout profité fait population connaît que direction circulation déjà enregistré en pile cas d'accident et parmi cas d'accident ça yo cause ça nous parler yo c'est eux même qui toujours bay accident qui beaucoup plus grave yo et chaque fois accident ça arrivé souvent pas jamais gagne monde qui sauvé dans machine yo cas qui plus grave yo c'est souvent laisser yon camion qui en panne sur voie publique et côté li en panne dans l'effet noir camion ça a pas gagné reflecteur la dedans et chauffeur a souvent côté machine en panne li tout quitte exactement sur chaussée yo pas jamais prend des fois disposition pour mettre soit sous accotement ou bien pour faire machine dans descendre plus bas donc yo quitte sur chaussée c'est une cause qui conn bay en pile tête chargé. Faut que toute machine gagne là-dedans yo des triangles de pré-signalisation et chauffeur tout faut que yo gagne des gilets fluorescents qui ca permettre moun wè yo nan ka yo ta besoin ranger yon caoutchouc ou du moins faire une autre manœuvre sur bois public là pendant machine nan campé. La loi sous disposition que machine yo doit gagner pour rouler sur voie publique là dans article 148 il est clair que camion yo doit gagner ça relé feu de gabarit ou bien feu de pavillon feu de gabarit c'est ça qui permet et l'autre conducteur ouais large machine là et feu de pavillon c'est ça qui permet ma e yo wè hauteur machine yo. À défaut de deux feux sa yo, donc direction circulation exige pour tout camion yo mette réflecteur devant et derrière machine yo, ça pral permettre l'autre chauffeur qui circule sur voie publique là, yo gagne contrôle largeur machine yo et hauteur machine yo. Ça tout c'est des éléments qui capable éviter accident sur voie publique. Donc et direction circulation prend des dispositions avec police routière là pour commencer sanctionner tout chauffeur qui pas respecté gens de et qui pas respecté ça yo ta doit respecter selon la loi. Et avant nous fini n'a rappelé tout le monde que voie publique là c'est pour tout le monde faut personne pas représenter un danger personne sur lui. En d'autres termes nous voulons parler de précaution pas capot. Moun ki t'a présenté l'émission ça, c'est Ludes Polius. Semaine prochaine, n'a pas gagné pour nous présenter une autre émission. Merci.